territoire à vous, de ma part de vous deux. Hein. C'est une sacrée aventure là, depuis des années. Et puis, moi, je croyais que c'était one shot, quoi, tu vois, super, parfait, très bien. Et puis, en fait, non, vous avez été vraiment formidable, revenant, généreux de généreux. Puis, cette année, c'est. Voilà, ici, les trois œuvres que tu m'as expliquées aussi, que tu offres à Nuage Vert, toute cette soirée qui est organisée, et ça fait une semaine hein, que vous êtes là, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, ça me touche beaucoup. Je crois que c'est vraiment un joli geste, et dans cette expression que je pratique très souvent, qui est l'échange de générosité, je crois que là vous avez été très fort, donc voilà, on est vraiment redevable de votre très très grande générosité. J'espère qu'on continuera à faire des aventures comme ça avec vous, parce que voilà, vous êtes des artistes que j'apprécie énormément, et puis des personnes voilà, qui ont des qualités humaines exceptionnelles. Merci beaucoup. Donc nous sommes venus, nous sommes arrivés lundi, je crois, sous la pluie. On nous a dit que c'était exceptionnel, que ça n'arrivait jamais, qu'il faisait toujours beau, mais on y a cru. Et finalement, on a quand même réussi à travailler. Déjà parce qu'il y a un petit retour sur le château d'eau qui nous a permis d'être à l'abri. Et j'en ai profité pour me réfugier à l'intérieur de la mairie pour peindre ces trois panneaux. Donc ils vont après être exposés à Nuage Vert. Donc je suis parti, enfin Laurent m'a dit, la biodiversité c'est très vaste. Donc j'ai décidé de travailler sur trois thèmes. L'air, le premier, qui représente une sorte d'oiseau avec des... Donc c'est plus le côté un peu volatile. Le deuxième au milieu, dans les verts, c'est plus sur la terre, avec le côté branches, feuilles, etc. Et le dernier, l'eau. Et voilà, et en même temps, je me suis dit, parce que bon, c'était pas du tout les formats prévus au départ, j'avais pas du tout prévu de faire ça, donc c'était de l'improvisation locale, on va dire, par rapport à ce que j'ai pu ressentir ici. Et donc, effectivement, ces peintures vont être exposées à Nuage Vert, et tu m'as dit que tu allais les accrocher dans les champs et tout. Donc De la même manière que quand on fait les séances autour. Autour des images et de l'art avec la grande toile de Vidley sur les définitions de l'art. J'aimerais bien que quand on fait, pas systématiquement, mais quand on fait des animations autour de l'environnement, de la nature et tout ça, on puisse aussi marier nature et culture et qu'on puisse avoir cette toile symbolique qui soit tenue, portée, montrée dans ces sites naturels. Voilà. Et donc, comme on était ici, donc c'est la quatrième année que nous venons, je crois, on avait envie de faire un moment de création en même temps et d'improvisation. Donc j'ai fait appel à mes amis musiciens et Lévi, bien sûr, Lévi, là, qui a fait aussi le mur de l'école de Saint-Privat. Et on s'est dit, voilà, on va se réunir et on va mixer un peu nos créativités pour faire un moment unique de partage. Donc c'est un mélange entre du virtuel, de la musique, de la peinture à la bombe, et tout ça est improvisé. Et donc il n'y a que vous qui allez le voir, et puis chacun partira avec des images dans sa tête. Et c'était le côté partage encore qu'on avait envie de faire avec vous. Voilà. Bravo! Je ne sais pas si je présente les musiciens. Ouais. Vous présentez vous-même peut-être. Bon, non, c'est bon, on est là. Bon, ils sont là. Donc c'est quand vous voulez. Ouais! Avec des white guitars cette année, suite à, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est
histoire qui se répète d'année en année avec qui Laurent. Grossit à chaque fois. Qui grossit chaque année, on pense que c'est la dernière année et à chaque fois à la fin du festival on dit et si l'année prochaine on revenait, on fait quelque chose de nouveau. Ouais. Et voilà, donc cette année bah, c'est nouveau et on va vous laisser découvrir. Voilà. Oh, thank you.
Thank you.
Thank you.
Des rondes,
des carrés. Ah, si tout était géométrie, je suis sûre que ça tournerait plus rond. Vive les losanges, les quadrilatères et les octogones. À bas, les formes informes. Zéro pointé, meilleure note. Tête au carré programmée pour tous les nouveau-nés. Et parfait rectangle funéraire pour les partants. Nuit horizontale, jour vertical. Effacement du doute, pleine lune débordée par la libido débridée des fusées. Segment de vie inscrit sur l'affiche. Réalisation de soi par la distance parcourue du point A au point B, incluant une gymnastique topologique quotidienne pour affiner les courbes. Prison éternelle pour les déviants, emprunteurs de zigzags démesurés à la brisure du cercle. Apparition de la tangente, signe du déclin. Suivre la flèche, direction chute dans l'infini. Découverte de nouveaux espaces. Thank you.
dans l'aspirateur, comme un ventre sale, stagne un monde, un genre de monde beau comme un frère, un genre idéal, plein de clins d'œil, de mou de bouche et sourcils épais qui font se presser les filles poussières. Des fils de tapis, issus de bonnes familles aussi, tissent des barrières à l'arrière pour éviter tout repli sur soi. Quand vient le moment de vider le sac, émoi, pleurs et déchirements se précipitent à l'extérieur, à la découverte de l'autre monde, moins beau.
il y a une maison, une rivière, une maison qui est dans la rivière, et puis le ciel au-dessus de tout, et le ciel aussi dans la rivière. Des feuillages tout autour de la rivière, tout autour de la maison aussi. Ce qui fait que nous avons du bleu au milieu pour la rivière, et le ciel dans la rivière, puis du vert qui borde la rivière, et un point rouge, c'est la maison. Après, il y a un cadre qui est en bois et une vitre qui recouvre le tout. Thank you.
cela. Je précise que mon ami est en écueil argenté. Malgré cette distinction, les gens ne me comprennent pas. Thank you.
me sens bien dans mon habit. Je me sens dans mon. Je me. Dans. Je. Dans mon. Me sens. Mais je préférerais ce vêtement à sensation. Merci. Thank you.